Hey, salut les amis! Je m'étais endormi, j'avais appuyé sur play et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis mon Walkman avec ma cassette préférée de replay de bowling et. Plus aucun souvenir! Si, un petit truc. J'ai fait un rêve super bizarre. Genre, j'ai rêvé que j'étais une tomate et que je me battais contre des super méchants envahisseurs à grands coups de poing, quoi, je veux dire. Heureusement, c'était qu'un rêve et ça n'existe pas dans la vraie vie, sauf si vous croisez Captain Tomadé. Eh oui, Captain Tomadé, qui est donc une super tomate qui se bat avec ses petits poings et qui anéantit tous les méchants dans le ciel par-dessus nous, au firmament, mon maman. Comment ça, j'ai trop fumé? Non, pas du tout. Alors, c'est peut-être la cassette de bowling, ça m'a influencé, j'en sais rien. On va regarder ce que c'est. Je vais enlever le bowling parce que je sens que ça ne vous plaît pas terrible, terrible à vous. Et pourtant, ça, c'est une fameuse partie où un joueur très très célèbre a réussi un coup que je ne vous décrirai pas vu que ça ne vous intéresse pas. Enfin bon. Captain Tomaday, est-ce que je vais avoir la capture du jeu du premier coup? C'est pas certain. Mais je vais quand même le tenter parce que la mort du risque, ça fait partie de ces choses que vous aimez voir dans mes streams. Allez-y, on est parti. Que va? Ah oui, non, je me disais, il va pas capturer le jeu du premier coup, c'est pas normal. Ok. Alors, si vous cherchez le fail du stream, c'est bon, il est passé, hein, c'est déjà là. Patrapement, c'est Land of Pain, mon surnom, mon ami. On a fini les streams de Land of Pain. Forcément, dit comme ça impressionne. Je vais peut-être baisser un chouï le son, ça m'évitera de hurler. Voilà. Encore un peu, ça peut être mieux. Comment ça se joue, madame? Madame? Alors, c'est moi! Regardez-moi ça! Elle a la patate, cette tomate. J'étais obligé de la faire, celle-là, je suis désolé. Alors, de ce que je me rappelle, j'ai un bouton pour mon poing gauche, j'ai un bouton pour mon poing droit, et si je branle le bouton gauche assez vite, je peux charger mon poing droit en super attaque. Il y a un truc comme ça, je crois, dans ce jeu. Bon, on va voir que l'intention était bonne. Maintenant, sur la pratique, c'est pas super maniable hein, quand même le bousin. Je spoil un peu, mais je me rappelle d'une partie récente où j'étais quand même mauvais. On va dire ce qui est. Bien sûr. Let's go, Captain Tomori. Ouh, tous ces crédits qu'on peut mettre. Oui, regardons soigneusement comment on joue. Oh mon dieu, un joystick multidirectionnel. Le point gauche, le point droit. Le point gauche, le point droit. Frottez, poncez! Gauche, 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 gauche. Eh bien, tu charges ton point droit. C'est bien ce que je vous ai dit. Ensuite, il y a une histoire de formation, je sais pas quoi, parce qu'on peut récupérer des bonus, et notamment des bonus qui vous permettent d'avoir des petits coéquipiers à vos côtés. Et ces petits coéquipiers, vous pouvez changer leur disposition avec le troisième bouton, si je dis pas de conneries. Fuck, yeah, I'm good. À croire que j'ai lancé le jeu juste avant ce stream. Eh ben non. Donc des fois j'ai de la mémoire, ça arrive. Alors, piu piu piu. Oh ouais non, je vais être super mauvais, je sens ça. Ah oui, il faut casser les boîtes en plus pour en récupérer les bonus. Ça va, je m'en tire pas trop mal pour l'instant. Ça pourrait être beaucoup pire. Hein. C'est quand même assez bordélique. Hein.
puis il y a trop de kawaii pour qu'on ait envie de les taper, tous ces pauvres petits trucs. Il y a des moments où on n'arrive pas à récupérer ses bonus, bordel de schnitzel. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de mettre des coups de poing pour récupérer ces bonus, sinon vous les reprojetez tout au bout de l'écran. Donc forcément, c'est un poil de bordel. Alors les graphismes, ça fait très les gens qui ont fait le Parodius, quoi. C'est assez marrant. Ah non, 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 non. Oh, il est pénible, lui. Et il me tire des petits cœurs, en plus. Aïe. C'est un massacre au total, cette partie que je vous fais. Oh, mais ça revient. Alors, le jeu est très bien, mais faut que ce soit votre style de jeu. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas mon style de jeu. Moi, je fais de la merde là-dessus. Alors, le seul truc que je peux faire, c'est passer des crédits. C'est pas le genre de gameplay qui me convient. Et ça se voit. Ceci dit, Captain Tomade, c'est tout à fait fréquentable, c'est tout à fait jouable. Suffit juste de vous adapter à cette façon de jouer qui est quand même pas très... pas très orthodoxe. Je vais finir ma phrase. Je suis en bébé maintenant, je ne suis même plus une vraie tomate. Et je peux même plus avoir mon super pouvoir bébé. C'est n'importe quoi. J'ai cru que ça s'arrêterait jamais en fait. Je cogne maintenant, je suis énervé. Ce n'était donc pas un boss. Eh ben nom de Dieu, ça promet. T'as vu? Non, 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 il ne me tire pas dessus. Non mais je suis venu. Je veux pas finir en jeu. Et j'ai pas le temps de voir en plus ce qui m'arrive sur la tronche. Ah ouais, non mais ça tire vite quoi. Ça va être long. Ça va être très long.
Oh zut. Ce truc en fait. Il est amusant, mais le temps que je passe dessus là, je sais pas. J'ai failli m'endormir en fait. Alors, je suis en train de regarder mon Walkman là, avec la cassette d'enregistrement de bowling avec envie. Alors, je pense que je m'y prends très mal, ça doit être ça. Je sais pas. Il a pas aimé mon point droit. Hein. Ouais, je vais changer de main parce que je commence à avoir mal à l'autre. Là, je suis tout blessé sur ma pauvre mimine. La technique des deux points était pas mal quand même. Il manquait juste un gros coup de poing dedans. Donc voilà, Captain Tomalé, c'est validé. Ça peut être très drôle sur une console de salon. Sur une bande d'arcade, je suis pas persuadé que ça ait fait des gros malheurs, quoi. Ceci dit, ça a bien séance d'exister, d'être relativement marrant, et puis ça pourra plaire aux mômes en plus, ce qui est pas négligeable. On avance jusqu'à ce que je crève, hein, comme d'habitude. Ce qui devrait pas être très long d'ailleurs. Je confirme, c'est bien un jeu pour les mômes. Voilà. Ceci dit, le gameplay est un poil compliqué hein, pour du mignon, je trouve. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Ça se trouve, vous avez des surdoués chez vous. Mais ceci dit, je suis pas certain que ce soit assez simple pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à comprendre la cible, du coup. Alors, le kawaii, c'est sympa, mais ça vous fait pas un titre. J'avais dit que j'allais perdre rapidement, mais là j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel? C'est l'échec. Je veux mourir. Merci. Encore. Je veux mourir encore. Et voilà. Encore un coup. Merci. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, on a fait quand même 13 minutes sur Captain Tomalé, qui n'est pas un jeu qui me plaît, hein, je le dis honnêtement, mais qui pourra ravir un certain public. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au Twitter, à vous abonner au... Hein? Quoi? On est arrivé? Bah, ok, j'y vais. Bouge pas, je remets le bowling. Voilà. Moi, je vais me refaire une sieste. Hein. Donc, pendant que vous vous abonnez au Twitter, @BigGameOskip ou tout coller, pendant que vous likez la vidéo, pendant que vous partagez sur vos réseaux pour faire connaître le truc, parce que c'est quand même bien d'avoir un petit canal gamer, midlife gamer tranquille. Moi, je serai vous. Partagez, hein. Faites connaître. Il y a moyen de. Oh putain, ce coup qui va faire. Écoute-moi ça. Thank you.